Salut! Aujourd'hui, nous allons voir l'un des plus grands mystères de Minecraft. Je parle bien sûr d'Herobrine. Cela va bientôt faire 11 ans que cette entité mystérieuse a fait peur à bien nombreux d'entre nous. Plongeons-nous directement au cœur de l'une des creepypastas les plus célèbres des jeux vidéo. Herobrine, qui est-il? 11 ans après sa première apparition, je pense que ça serait pas mal de vous rappeler qui est ce personnage mystérieux. Herobrine est apparu la première fois autour d'août 2010 sur une des versions alpha du jeu. Un joueur encore aujourd'hui inconnu lança un nouveau monde. Mais à un moment, ce joueur vit au loin un drôle de personnage. Celui-ci ressemblait à un Steve, mais avec des yeux blancs. Chaque fois que le joueur le repérait, le personnage s'enfuyait. Il n'a vu aucun nom apparaître au-dessus de sa tête, et il s'est assuré qu'il n'était pas en mode multijoueur. L'utilisateur a ensuite posté sur des forums en demandant si quelqu'un avait déjà rencontré des situations similaires dans un de leurs mondes. Après plusieurs minutes, l'utilisateur anonyme reçut un message privé d'une personne nommée Herobrine, qui disait en un mot « Stop ». Ce n'est que plus tard que Herobrine a gagné en popularité, lorsque le streamer Copland a photoshopé Herobrine en plusieurs captures d'écran pour le montrer à son chat. Il avait récemment pris goût à l'histoire et souhaitait en faire partie. Après avoir obtenu une grande partie de bonnes réactions, il a décidé de mettre en scène un canular. Copland a parcouru le monde comme le ferait un joueur normal, en évitant délibérément la structure qu'il avait mise en place pour le canular. Herobrine a été introduit dans le flux à 20 minutes et 45 secondes. Copland a alors crié et a couru hors de la pièce, mettant rapidement fin au live. Il aurait été confirmé plus tard qu'il s'agissait d'une peinture retexturée. Un mois environ s'est écoulé pendant que la recherche était menée sur Herobrine. Après un peu plus de collecte d'informations, il a été découvert qu'il s'agissait du frère de Notch. L'utilisateur anonyme a poursuivi en disant qu'il avait personnellement envoyé un email à Notch pour savoir s'il avait un frère ou non. Ce à quoi il a répondu oui, mais il n'est plus avec nous. Après cette histoire, cela a fait le tour d'Internet. Les gens disaient que Herobrine était l'incarnation du frère décédé de Notch, et de nombreuses légendes se sont tissées autour de cette histoire, attribuant à la créature divers pouvoirs et plusieurs explications de son origine. Mojang n'a a priori aucun lien avec ce mème. Lorsque Notch en a appris l'existence, il a par ailleurs dû nier l'idée selon laquelle ce personnage serait son frère décédé avec ce texte. Cette histoire d'Herobrine est à la fois géniale et effrayante. Elle montre vraiment à quel point un créateur n'a pas vraiment de contrôle sur ses créations. J'ai dit en public qu'il n'y a jamais eu d'Herobrine, que je n'ai pas de frère mort, et que faire mourir plein d'animaux dans la lave est une méthode infaillible pour l'invoquer, mais qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Cette creepypasta a pris tellement d'ampleur que depuis la version 1.6.6, dans tous les changelogs officiels, est mentionné Removed Herobrine, et que dans la bannière de la Minecon officielle de 2011, on peut l'apercevoir. Et donc, 11 ans après, que devient cette creepypasta? Eh bah malheureusement, cette légende n'est plus trop d'actualité. Au début du jeu, presque tous les joueurs connaissaient son existence, mais maintenant beaucoup de nouveaux joueurs ne le connaissent même pas. Mais il y aura toujours dans le jeu un petit clin d'œil à cette entité grâce au disque 11, et en voici un aperçu.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, sur le disque 11, on peut apercevoir sur le spectre visuel une tête ressemblant étrangement à Herobrine, suivie des chiffres 1, 2, 4, 1. C418, l'auteur du disque, a répondu aux réclamations d'Herobrine concernant le disque 11. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas en dire beaucoup sur le disque 11, mais que cela n'avait rien à voir avec Herobrine. Même après cette révélation, beaucoup de gens continuent à dire que ce disque cache encore plein de mystères. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après avoir fait un sondage sur mon Discord, le lien de mon Discord dans la description, il y a quand même 7 personnes sur 70 qui ne le connaissent même pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, un utilisateur du nom de Andrei555 a découvert la seed et les coordonnées exactes d'où l'image mythique a circulé. Et en voici les informations. Alors du coup, je suis allé dans la version et j'ai mis la seed et on est à l'endroit mythique où a été vu pour la première fois Herobrine. Il était juste ici là. Mais bizarrement, il est pas là. C'est bizarre ça. Hein. Bon, après avoir fait plusieurs tours, j'ai pas trouvé d'Herobrine. Hein. Bon, je me suis fait une petite maison pour l'attendre, mais il vient toujours pas. Hein. Le seul truc what the fuck que j'ai vu, c'est qu'il y a plein de pousses d'arbres par terre. 11 ans après, cette entité existe-t-elle vraiment? Bien sûr que non. C'est une histoire assez bien écrite et effrayante, avec des concepts quelque peu absurdes. Notch, ou Marcus, n'a jamais eu de frère dans la vraie vie. Il n'y a pas de silhouette sombre qui se profile dans les coins de vos mondes survie. Mais c'est toujours assez amusant à lire. Après cela, Internet a favorisé l'existence d'Herobrine. YouTube, Reddit, même les forums officiels de Minecraft étaient obsédés par la recherche de ce fantôme potentiel. Mojang s'est même lancé dans la blague en ajoutant Removed Herobrine à la fin de chaque changelog. Merci d'avoir écouté la vidéo et à dimanche prochain. Attendez, j'ai entendu un bruit.